Allez, finalement, on est reparti pour une petite VD parce que je vais faire la quête principale. On va s'y atteler un peu. Parce que je veux débloquer des trucs. J'en ai marre. J'ai pas les talents, j'ai pas les... la chambre, machin, la salle sur demande, tout ça. Donc, on va faire ça. Et du coup, c'est quoi la quête principale pour le moment? Et ça, je ferai plus tard. Cours de potions. Assister au cours de potions. Rejoindre machine. Ah non, c'est le cours de botanique. On va assister au cours de potions un peu. Et puis après, on ira se promener avec, avec Nati. Bon, on est pas loin en plus. Mais je vais suivre ce que me dit le chemin. Sinon, je vais encore faire Nawak. Elle me manque de Nizival quand même, au moins. Des fois, faut savoir passer à autre chose, comme l'oxymore, par exemple. Putain, en tout cas, j'ai mis des VOD de l'aventure de Denis Duval sur YouTube. Voilà. Si elle te manque, tu peux la retrouver au moins là. Mais ouais, j'arrive pas à me motiver à me mettre au RP. Peut-être un jour, maybe. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école. J'ai d'accord. Ce qui s'est passé après Olar. Le professeur. Les profs, ils savent rien faire. Hein. Révolte. Alors, attendez. On va loot un petit peu ce qu'il faut. Tout ce qu'on trouve, une pièce. Sérieux, il y avait plusieurs pièces. Hein. Trop des mythos. Trop les mythos. C'est quoi qui fait ding? Qui fait ding, j'ai dit. C'est ça. Badge d'aurore du professeur Sharp. Ah, le professeur Sharp, c'est un aurore. Les aurores assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers. Des différentes menaces, en particulier celles associées à la magie noire. Ce badge d'aurore appartient au professeur Sharp. Waouh, la classe. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée. On s'amuse. Alors, ça ne dort pas. Côté non plus. Mémorandum, 31 décembre 1875. On est en 110 ans 1875 alors. Ça colle pas du tout, hein, vraiment. Lourdes erreurs, objet Barjou et Burke. Barjou et Burke sont plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin lorsque les livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre. Ceux qui observent déjà cet établissement, vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Ok. Barjou et Burke. Passez en paix vite. Passez en paix, mais je file dormir. Soyez sage. Des bisous, Samus. Très bonne nuit. Bien d'être insomniaque ou pas? En fait, si t'as rien à foutre de tes journées, c'est pas si dérangeant. Mais sinon, non, absolument pas, hein. Tu dois aller au cours et tu dors pas. Est-ce que c'est bien d'après toi? Pas un jeu d'aurore pourtant. Silence. Silence. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée... Onegoshtas remplace le mot court par travail, sinon... Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Quoi? Avant ça, des points. Chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Wiganweld, Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Pardon, je baille. Veuillez hein procéder. J'ai passé. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Ok, c'est parti. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions.
Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je sais pas s'il faut remuer vite ou pas. Pas du tout. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Moi qui bois. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Récupérer les œufs de serpent-cendre. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? Oui. Oh, tu me demandes ça, j'avoue. Oui, mais pourquoi ça t'intéresse ? Génial ! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Gareth, d'ailleurs. Gareth Weasley. Je fais pas dans les partouzes. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute... Même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau si de Sharp, pas la... si... tu pourrais en profiter si t'as pour pas la plume, et ben faucifère. Ouais. Je te ramènerai cette plume de faucifère si tu es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Un peu chelou ça. Tom, j'ai du Zor. Attention, votre table de faucifère doit rester propre et bien remplie. Oh, mais c'est trop bien les faucifères. Fourrure de chien ? Je récupère la fourrure de chien, c'est normal ça ? Mais faut s'y faire. Réveillio. N'oubliez pas, la précision est essentielle pour la préparation des potions. Voici la plume de faucifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. J'aime pas du tout, j'ai aidé un griffon d'or, il m'a fait faire un truc illégal en plus. Je te dirai quand la préparation sera au point. J'aime pas du tout Gareth. Félicitations pour ta première potion Wiganweld, mais tu dois apprendre à en faire beaucoup d'autres. Cette année s'annonce chargée. Doit-on acheter le dictame ou le broyer ? Oh, c'est des potions débloquées, fantastique. Ça y est, je peux enfin faire mes propos. Let's go. Faut attendre. Oh, c'est trop chiant par contre. Soigne et restaure un peu la santé de la personne qui la boit. Je pense qu'après, plus tard, je pourrai en faire des mieux. Soit upgrade ma potion, soit je sais pas. Enfin mieux quoi. Soit il reste un peu, on va en refaire une. Les popos, les gens heureux. D'accord. Pas de soucis, gauche test. Bah c'est bien si toi t'es heureux en tout cas. Augmente la défense, vas-y, je vais en faire une. Et du coup, ce qui augmente la défense de celui qui t'apprend le recouvrant d'une peau rocailleuse résistante. Ça, c'est bien.
Il y avait la balade des gens heureux, il y a les popos des gens heureux. Pourquoi pas? Sœur, j'ai fait un gratin dauphinois, ça compte dans la moyenne. Pas mal ça. Il gratin de ouf là. Non, moi je dis si, grave. Oh, tu me donnes faim maintenant, putain j'ai envie d'un gratin dauphinois. Maintenant, j'ai la dalle. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah, arrête. Ça suffit. J'ai vraiment filé une plume super rare pour cette merde. Je te déteste, mec. Je te déteste. Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor, encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. T'es sûr, j'aurais jamais dû aider un putain de Gryffondor. Les sorcières et sorciers bien avisés ont toujours quelques potions sous la main. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Weasley. Est-ce que je mens? Franchement, je vais tenter de mentir. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités. Ouais, je m'en doutais, il le savait. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Bon, le mensonge est pourri. Arrête avec de mettre tes mains comme ça tout le temps là. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, je mange du gratin de finnois, moi. Comment combiner différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Il a peut-être froid. Ouais. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ça va, il est sympa, il m'a pas enlevé de points. Bon, je peux au moins faire mes potions ici, à défaut de pouvoir les faire dans ma chambre. Perso, là. Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. Et il s'est pas excusé ce bâtard. Hein. Ma potion Wiganwell est un désastre. Toi, si seulement toi, je pouvais la remplacer par une de chez Potion Pipin. C'est toi non, c'est toi Gareth. Hein. C'était cela. Une demi-bouteille de sang suicidé réajoutée en remuant dans le J'ai sens toujours des dit que voyager ouvre. Revelio. Tu as gagné une bataille. Duncan te doit sa réputation. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. T'inquiète, l'ami. Trop le bro, lui. Les Yosso. Allez, on va faire la quête avec avec Nat. La quête avec Nat. Nat. Et voilà. Préolard. Quête. Bah ça, oui, c'est là-bas. Tu on y allait en marchant. Au cas où on croise des éléments à ramasser pour notre potion. Bon, on va faire ça, on va y aller en marchant. Mm.
On l'a déjà fait ça. Oh, tu vas t'en prendre une, toi. Et à un moment, elle va se vénérer, elle va t'éclater. Non, non, je suis pas allée chez le coiffeur. Gauche tasse. Puis tout ce que je fais, c'est pas forcément pour vous, hein. En fait, j'ai une vie à côté. Hey, bonjour. C'est quoi cet endroit? Coffre là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait... La porte qui s'est fermée et ça, et du coup j'avais plus de lumière. Non. C'est bien dire que c'est pour nous. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le cosplay. Par contre, oui, c'est pour le live. Hein. Parce que je m'habille pas comme ça de manière générale. De cours des créatures magiques, pas maintenant. Copier 100 fois, je ne dois pas curer le nez de ma. Je ne dois pas me curer le nez avec ma baguette, mec. Mais qui. Mais faut y un message, je suis pas un troll, moi. Hein. C'est trop dégueu. Bon. Les serrures, c'est pas tout de suite pour WAM. Hein. Là non plus, ouais, d'accord. Toute cette partie-là. Oh, c'est beau. Réveillon. À Camp Polar. C'est ces champignons là qu'il me faut pour ma popo de soin ou pas du tout, je sais même plus ce que c'était qu'il me fallait. Bah, j'aimerais bien m'en faire un petit paquet là. Un petit paquet de popo. J'aurais pu mettre la maison de la grille dans une torée, je suis déçue. Bah le truc c'est que vu qu'il est pas censé être né, ce serait peut-être pas très logique. Même si bon. Je sais pas quel âge il a, Grid. Mais on est... J'aime bien avoir un elfe de maison. Un esclave littéralement du coup. Parce que c'est ça hein, les elfes de maison. Moi je trouve ça horrible. Bah t'es chelou, sache-le. T'es très chelou. Et c'est très inquiétant. Des affiches et tout. Réveillon. Outils du gardien. L'ensemble d'outils qui peut supposer avoir été enchanté pour créer du mobilier de toutes sortes et de toutes tailles. Dans le but de meubler une jolie cabane. Ouais. Ça a pas l'air d'être si complexe en vrai quand tu vois la tronche. Hein. Mais bon, hein. Ouais, j'ai fait une table magique. C'est quoi son pouvoir? Elle est magique. La magie. Ça m'intrigue. En avoir un, t'es pas obligé de le traiter comme un esclave. Non mais de base, les elfes de maison, c'est des esclaves. Je veux dire, ils sont... C'est leur... Ça, c'est horrible.
Alors soit tu le libères, soit tu le libères pas et c'est ton esclave. C'est horrible. À partir du moment où de toute façon tu fais travailler un humain ou voilà, sans jamais le payer. Et toute sa vie, tout le temps, c'est de l'esclavage. Hein. Ou alors être stagiaire pendant une longue durée. Ce qui se rapproche de l'esclavage. C'est un bout qui s'appelle Femme Taille. Ça m'épuise. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Les rêves, JPP de tes rêves. Ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion. Super bien. Pourquoi sont-ils à ta recherche? Bah, ils sont méchants. Je ne connais ni Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Moi, je veux pas. Je veux pas lui dévoiler ses mille fondeurs. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolar lors de l'attaque du troll. Et ouais. Le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Je vais pas travailler, mais je paierai pas. D'accord. Je passerai du bon moment avec moi. Je ferai du gaming avec lui. Il aura une nourriture et je lui présenterai des meufs. Alors. Déjà, pas. Tu vois, c'est un elfe, du coup, faudrait. Voilà, ça s'intéresse sûrement aux elfes, quoi. Ensuite, bah, si tu le libères, il aura pas forcément envie de faire ça avec toi. Donc, soit tu le libères, et du coup, c'est plus un esclave, et du coup, il va peut-être juste se barrer et faire sa life, parce qu'il a d'autres choses à foutre dans sa vie. Soit tu le libères pas, et tu forces littéralement quelqu'un à passer du temps avec toi. C'est horrible. Non, il n'y a pas de bonne réponse, hein, ça. Désolé, hein. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec un rock. Je demanderai son avis. Bah, dans ce cas-là, tu le libères. Ensemble après mais si tu le libères, bah, de fortes chances qu'il se barre et faire sa vie parce qu'il a autre chose à foutre que de tenir la main d'un humain constamment, tu vois. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood. Au pire, en vrai, tu veux pas juste faire un ami de braconnage? C'est pareil, hein. Sauf que, bah, du coup, tu forces personne, il y a pas d'esclavagiste. Dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Ah, j'écoute pas. Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. Tu en attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Ok. Je suis sur mes gardes. Revelio, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Terminé la fille de Wagadougou. Libère ici, il veut être libre. Et s'il trouve que rester chez moi, c'est bien, bah c'est bien. Ouais, bah tu veux des amis, quoi. Ami, ça a pas de pouvoir. Bah, je sais pas à quoi ils vont servir ces pouvoirs si à la base tu veux juste faire du gaming, boire des bières et rencontrer des meufs, tu vois. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison, surtout quand je suis à l'intérieur. Mais tu ne les as pas vus, maman. Ils sont magnifiques, des chevaux avec des ailes. Ah ouais. Ça suffit. Ils sont où? Trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Bon, et si tu me faisais quelques dessins, hein? Oui, maman. Oui, mère. D'accord, j'ai pas si tout compris. Ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Réponse, on s'en fout. Tu te poses la question constamment. Il y a pas beaucoup de lignes de dialogue différentes avec les personnages.
Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Nora Trivial. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup... Moi, je dirais que c'est la Team Rocketeur. Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Serpent cendre. Laissez-la tranquille. Stupéfix. On va vous stupéfixer, là. J'espère que tes affaires sont en ordre. Bim. Quel réflexe. Oh, quel réflexe. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. J'ai pas encore réfléchi. Ou peut-être pour me transporter d'un point A à un point B. Vitesse de lumière. Bah quitte à faire... quitte à imaginer une réalité alternative, tu voudrais pas toi avoir ce pouvoir? En vrai, plutôt que de t'accrocher à quelqu'un qui a des pouvoirs pour pouvoir en profiter. Je sais pas, hein. Quitte à parler d'une réalité alternative. Nouveau type d'ennemi a été ajouté. Super. Merde. Merde. N'importe quoi. Allez, mais... Ah merde, je me trompe de touche. À chaque fois, je fais X pour mettre mon shield. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, il est trop fort. Il m'éclate la gueule. Lui... Faut que je brise tout. Non, faut que je brise sa garde. Je sais pas comment. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Moi, j'aime ton swag quand même. Je dois l'avouer. Ne bouge pas. Je vois rien. Je n'irai nulle part avec vous. Alors, du coup, si je vais dans collection, parce que le jeu me dit peut-être que... Nouveau type d'ennemi. Tu m'as niqué. Non, je n'avais pas cette volonté. Parmi les plus vifs, déstabilise leurs adversaires en enchaînant les attaques. Un bouclier ne peut pas bloquer leur puissant sortilège, mais si vous parvenez à les interrompre avec un sortilège de découpe, j'en ai pas. Perdons le contrôle. Chier, j'en ai pas des sortilèges de découpe, moi. Pas que je sache. Hein. Ah mais toi déjà tu te mêles de ce qui te regarde. Bim. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Moi, j'aimerais un site avec des gens qui jouent aux jeux vidéo, puis on pourrait leur écrire sur le chat, ce qui serait sympa. Merci, c'est long. Bah, la coupe dans Pokémon, effectivement. Mais non, mais... Ah, c'est le... Moi, j'aime bien avoir le pouvoir de transformer tout le monde en... En team second degré dans Twitch. J'aimerais bien.
Est-ce que ça va? Oui, mais pourquoi tu te tiens les mains en étant essoufflé? C'est bizarre. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpents cendres? Parce qu'ils aiment bien passer sur des corps. Et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouffe souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches ? Nora, on n'est clairement pas en 1800 et quelques. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe ! Si Sir Cadogan vous entendait, lui Cadogan. Ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Alors, quoi comme pouvoir ? Je t'ai déjà répondu, Gosh Tast. Je crois que c'est au moins... En vrai, je crois que tu m'as posé la question en 3 lives différents déjà. Et le coup de l'animal, ça me dit quelque chose aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur 3 streams différents, sur des jours différents, tu m'as déjà... Si, tu m'as déjà posé la question, je te garantis. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionne. Bonjour Silence. Oui, c'est la journée maintenant. Je crois presque avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ok. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement. Oh bah merci. Même si vous en avez déjà. Je prends. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers là, ainsi que le tourbillon au sol. Ah oui ! Mais ça, j'en ai vu plusieurs, ça. Contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre. Et nous verrons bien ce qu'il se passe. Mais j'ai pas de mauve douce là. Faut juste que je fasse ça. Incroyable ! Vous avez vu ? Oui. Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. À cramer des trucs. C'est souvent le cas. Les bûchers, il y a souvent un délire cramé des trucs. J'avais oublié, j'ai parmi la cam. Les flammes font sombrer le bûcher. Ouais, moi, déjà, je... Côté bûcher, côté cramax, je connais. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Oh, c'est trop mignon. Magnifique. Oui. Quelle journée. Je n'en reviens pas.
Il y a un truc au milieu, il s'est passé quoi? Attendez, je vais looter ça là-bas. Ah, je crois qu'il me faut du juste en dessus. Effectivement, pour un truc, c'est plus ce que c'est. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Avoue que ce n'est pas une réussite. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Ok, je dois girl. Aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, et ça m'a offert quoi? Mes notes et mes livres. Réveillon, Lumos. Ça m'a rien des. En fait, ça fait ça. Ok, mais ça. Ça a juste fait une petite arche, quoi. Oh, trop stylé! Ça, par contre, la fin était un petit peu bâclée. Mais sinon, c'est stylé! On entend des chuchotements tout le temps dans eux. Oh non, trop chiant. Je sais que c'est les sirènes qui chuchotent. À voir. Oh, là-bas ça bouillonne, non? Non, pas du tout, c'est des vaguelettes. Dans des chuchotements que dans l'oreille gauche, c'est super désagréable. Il y en a vraiment plein des chuchotements, comment ça se fait que j'en entends autant? Mon perso est pété un câble. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ah bon? Mais que nenni. On entend vraiment trop de... Je sais pas pourquoi on entend autant de chuchotements. D'habitude j'entends que quand je fais ça. Là j'entends maintenant tout le temps. Le message de Scrop dans la cour. On va voir ça. Moi, oh, j'écris pas fort. C'est vrai que tu écris en silence.
Élance. Oh, ça déjà ? J'ai grimpé déjà ? Oui. Ça rend un peu ouf les chuchotements. On pourra faire un truc ça aussi, mais quoi donc ? Pas du tout. Vous les entendez aussi sur le live ? C'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose ? Scrope pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrope a laissé un autre message près du pont dans le cercle de pierre. Faites attention d'en parler à personne. Ok, on y va. Scrope ? Qui est Scrope ? Ah, vous les entendez pas ? Ouais, ils sont très bas aussi. Et j'avoue que j'avais baissé le son du jeu pour que vous entendiez ma voix. Voilà, je vais être plus fort. Vous les entendez ? J'entends ça tout le temps ? C'est trop chiant. Bon, la musique là, elle est un peu forte. Hein. Ah là, on entend bien. Genre, j'entends vraiment des chuchotements tout le temps. C'est bon, au moins, c'est des chuchotements, c'est gentil, c'est pas des hurlements. Mais j'avoue que j'aimerais bien que ça s'arrête. Genre, monsieur, je veux plus de live. Non, mais vous avez entendu les chuchotements ou pas ? Cercle de pierre. Après le pont, dans le cercle de pierre. Ah. C'est ce pont-là ? Ça, c'est un cercle de pierre, ça. Ah, là. Non, c'est ça. Ah, Axio, ça marche pas, Axio ? Non, mais... Vraiment ? Vous êtes presque accroché des citrouilles. Juste après le cercle de pierre. Regardez. Dans l'une d'elles. On pourrait peut-être aider le pauvre Scrope et son cœur brisé. Des citrouilles ? Je crois que je sais où aller. Moi, j'avais oublié. Quand elle tombe, on entend la voix anglaise, la voix américaine. Moi, je pense. Oh, c'est le... Mais c'est l'épouvantail. Oh, il est trop mignon. Magnétoscope. Mon petit Tina. Réveillon. Non, c'est pas lui. Je pensais que c'était lui. Notre jeune déporteur doit brûler ta patience à présent. Rejoignez Scrope au bord de l'eau, près du quai abandonné. Au bord de l'eau. Ah, je pourrais peut-être mettre un peu d'effet. C'est pas une farce. On verra. Ah!
Voyons voir, qu'est-ce que c'est ? Ouais, un elfe de maison. Il parlait vu à la troisième personne, alors c'était assez logique, mais bon. Je me suis dit, c'est peut-être pas que eux qui font ça. Nom. Scrope sert le directeur. Scrope est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrope voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Que se passe-t-il ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrope peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Mmh. Ok. Oh, j'aime bien ça. Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel ? Continue. Scrope n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrope veut lui faire une surprise. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrope, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrope pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrope a essayé de l'avertir. J'en suis désolée. Mais ah, la noob. Quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Confusion de noob, quoi. Appartenant au Black, se trouve dans le caveau. Scrope aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrope d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrope continue de respecter sa demande. Scrope n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrope a su que vous cherchiez ces pages, Scrope a pensé que vous trouveriez peut-être aussi la nuit. Rembobine, Scrope. Ok. Attends, comment sais-tu pour le livre et qu'il manque des pages ? Scrope et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrope entend et voit bien des choses dans le château. Scrope sait garder un secret. Ah ouais. Parle-moi de l'anneau. Au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrope le lui rapportait. Elle parlait avec passion. C'est qui, passion ? Patience, qu'est-ce silence. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille ? Les Black ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Oh ! Un jour, Scrope a agacé cette chère Apollonia et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrope a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Ma punaise. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrope est soulagé. Scrope espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le pied de la corde qui s'y trouve. Bonne chance. Scrope vous attendra juste ici. Bonne chance au petit Scrope. Et la bague. Oh, j'ai gagné du pain grillé. Oh, du pain grillé. Je vais me faire griller des brioches. Oh non, les chuchotements continuent. Réveillon. Oh, une cascade. Dis-moi qu'il y a un truc sous la cascade. Je m'en suis obligé. Annie. Il n'y a rien sous la cascade. Oh mince, j'avais pas vu ça. Oh, je l'avais pas vu du tout. Je croyais que j'avais rien vu. C'est ça, je sais plus comment on fait les trucs. Les vieux sauts. Rotego. Voilà, ok. Oh mince, il est trop fort pour moi. Oh, mais j'avoue, il est fort. Oh oui, niveau 16. Ah, il est niveau 16. J'ai vu un truc rouge en fait derrière le bout de bois. Et je croyais que c'était un trésor très rare et particulier qui était enfermé dans la souche. What ? Oh, la sauvegarde auto horrible.
essayer de le buter quand même. Hein. L'aventure est terminée. Non. Je suis pas tranquille. Attends, mais putain, à chaque fois le jeu il me laisse pas le temps, c'est insupportable. Non, super, j'en étais sûr que ça ferait ça. Pas du tout ça que je voulais faire. Il y en a deux. Non, je me tire. Oh, je me tire tellement. Non, mais je me tire, il y en a plusieurs. C'est horrible. J'ai pas le niveau, hein. J'ai pas le niveau, hein. Peut-être que quand ça craint, mais ils font pas les malins. Bon. Incendio. Incendio. C'est quoi? Il est où? Incendio. Et puis dis donc, je vais pas y aller à pied. Mais c'est pas pour moi cette quête, pas maintenant en fait. Hein. C'est pas le niveau. Hein. S'il y a des mobs comme ça rien que sur le chemin, c'est mort. On va faire autre chose. Hein. Faire ça. Faut que j'enseigne un dieu sur des ennemis. Oh, mais y a quoi au-dessus de ma tête là? Ah mais oui, mais c'est une vendeuse du coup. Pas maintenant, Dobby. J'ai pas le time. Que c'est Andro aussi qui fait où je suis, qui fait qu'il chuchote, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ici? Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. C'est ça qui chuchotait. Oh. Mais oui, mais ces trucs-là, je sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fasse depuis ici? Je pense que j'ai pas encore le pouvoir pour lever des trucs immenses. Je pense, parce que bah, ça marche pas.
Et ça, ça marche pas non plus, hein. Alors faut que je la pousse. Mais pareil, ça non plus, je sais pas. J'y arrive pas. À chaque fois, je pensais la pousser, mais j'y arrive pas. Incentio. Parce qu'il faut que je la pousse dans le trou, comme d'hab. Un trou. Mais bah, ça marche pas. Mais vraiment, je suis sûre qu'il y a un sort qu'il faut que j'aie. Qui me permettra de faire des chocs, des trucs. Parce que là... Ah, ça doit être Repulso. Oh, c'est sûr que c'est ça. Voilà, ça plus tard. Pour le moment, ce sera pas possible. Ok. Bon, on passe. Attends, c'était quoi que j'avais à faire? Ah oui, faut que je lance Incendio. Pour des ennemis, on va peut-être en trouver dans le coin, on n'est pas trop dur. Même si ici, je pense que c'est une zone un peu trop élevée pour moi. Mais plus je monte, plus ça chuchote, c'est fou. Ah, je me suis dit, c'est assez fou. Bon bah, ah, il y a des loups. Mais quel niveau? Incendio. Mais merde. Voilà, comme ça, ça fait mes devoirs. Oh, mais les peaux de loup. Ça veut dire quoi? I don't know. Ça veut dire que tu ne pratiques pas le no. Tu dis jamais non. Voilà. Moi, je ne dis pas non. Je ne pratique jamais le non. Je fais que le oui. Tu don't know, quoi. L'inverse de I don't yes. Pour ceux qui disent jamais oui. Bon, bon, contre les forces du mal, machin, bon, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard. Il est quelle heure? Écoutez, il va être 10h. Non, pas super longtemps. Je pense que je vais vous laisser, moi. Ouais. Je ferai ça, ce sera ça notre prochaine quête. Arrêtez ma blague, du coup. J'avais compris ta blague. Je viens d'y refaire une part dessus. Et ouais, blague au carré. Je vais me TP quand même au chatan, non? Faut pas déconner. Ouais, là, non.
Non, ça marche pas. Hop, 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 carte de Poudlard. Hop là. Bon. Eh ben écoutez, sais-tu qu'on va arrêter la VOD. Je suis un peu fatiguée. Ça fait une VOD d'une heure incroyable. Elle est pas si intéressante. Je sais pas si je la mettrai en ligne. On verra. Des bisous VOD. À tantôt.